Bienvenue sur Sirène Camère. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne. Zoom sur l'une des actrices qui fait sensation dans la nouvelle série d'Ebenezer Coppombia, La Bataille des Chéris. J'ai nommé l'actrice Deneuve Diobong. Deneuve Diobong est originaire de la région de l'Ouest Cameroun. Est une actrice, comédienne et metteur en scène qui fascine depuis quelques années. Passée par le cinéma avant d'arriver au théâtre, son jeu d'acteur est fort de cette expérience et juste magnifique. Portrait. Si Deneuve Diobong a fait sensation dans le rôle de Cathy, la mère de Bill et Wanet, dans la saison 3 de la série à succès Madame Monsieur d'Ebenezer Coppombia, elle séduit à nouveau le public par son charisme, son jeu dans la bataille déchirée. Denise Diobong est née en 1976. Elle se découvre une passion pour la scène alors qu'elle n'est encore qu'au collège. Elle s'inscrit au théâtre et y décroche son premier rôle. C'est en 1996 qu'elle fera ses premiers pas dans le cinéma, dans le film Cercle de pouvoir de Daniel Kamwa. Alors qu'elle tombe amoureuse de la scène, elle décide alors de se former pour parfaire son jeu. Celle qui est la maîtresse des Limba dans la bataille des Chéris participe alors à plusieurs formations et ateliers, notamment en jeu d'acteur, en technique de mise en scène et en manipulation de masques. Évoluant sur les planches, elle participe à plusieurs pièces théâtrales en tant que comédienne et metteur en scène. Son travail bien fait et acharné va lui valoir plusieurs récompenses telles que le prix du meilleur metteur en scène pour la pièce Cannibale de José Plia à Tunis, le prix du meilleur metteur en scène sur la recherche théâtrale allemande décerné par le Goethe-Institut, le prix du meilleur metteur en scène sur la tournée Hibou Roi. Deneuve Diobong a lancé sa propre compagnie de théâtre baptisée Art en 2000. La compagnie a joué dans plusieurs pièces, à savoir Stade de la Liberté, Hibou Roi, L'histoire d'amour de Roméo et Juliette. D'après elle, le théâtre l'a fait beaucoup voyager et elle lui a payé plus que le cinéma. Le théâtre m'a fait énormément voyager. Le théâtre m'a aussi payé plus que le cinéma, même s'il demande plus d'énergie, déclarait-elle dans une interview. Elle déplore par ailleurs la situation précaire des acteurs de cinéma camerounais. À l'absence d'un salaire minimum, ils sont mal payés. Or, je ne peux pas vivre sans ce métier. C'est la seule chose que je sache faire, dit-elle. Celle qui a toujours rêvé ressembler à Julia Roberts n'est plus si éloignée de son rêve. Voilà, c'était donc le petit parcours de l'actrice, hein. Superbe, magnifique, hein, dans La Bataille des Chéris. Vous pouvez également la découvrir dans différentes œuvres, hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.